Excusez-moi, vous auriez ce modèle en gris? Ouais, mais... Ah non, 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 mais faites pas ça! C'est quoi le problème? Mais je sais pas les replier! Oh merde, il était plié, non! Et celui-là, vous l'avez en bootcut? Non, non! Oh, c'est pas vrai, pas encore! Non, t'inquiète pas, on le repliera ensemble! Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Essaye avec l'autre jambe! Hans, calme-toi, oh. Tu m'as promis! Oh, encore un jean de foutu! Hans? Ouais, Sid. Pourquoi Alison t'a-t-elle quitté? Non, à dire. Elle a dit qu'il fallait que je sorte de mon placard, je sais pas quoi. Pourtant, je lui ai dit, hein. Mon dressing, c'est toute ma vie. À qui de droit? À qui dis-tu, ma gueule? Ouais, le dis-tu. Is that my charger? Give me my charger! What percentage is your phone on? My phone's on 0%, bitch. If I die, I'll haunt you. Loulou, tu trouves pas qu'il manque une présence ici? Comment ça, une présence? Ben, une présence, quoi, tu vois. Oh là, ouais, non, 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 pas de chien, Alex, pas de chien ici. Oh, non, non, attends, ça aboie tout le temps, ça pue, faut le faire garder quand on part. Non, non, pas de chien. Non, non, mais je pensais à un bébé. Tu sais? Tu sais, d'un autre côté, un chien, c'est des avantages quand même, hein. C'est vrai, hein, ça économise une alarme, ça garde la maison. Et puis c'est la tendresse, quoi, c'est vraiment de la tendresse, un chien, c'est vrai, hein. Honnêtement, c'est un berger des Pyrénées. Ouais, ouais, bien sûr. Hein? Non? Ouais. T'as pas un petit chien? Non. It all started with my mom. Met my dad. I'm a big gangster. I turn around with a foreign love. They fell in love. And I wanna cry. I wanna love to love. They had me. I get those goosebumps every time. Yeah. You come around, yeah. You ease my mind. Elle pensait me la mettre, elle est pas prête, hein. T'as vu Bendo, il est pas bête, hein. Annick est intervenante de cirque au sein d'une troupe d'artistes du Périgord. Dans le bise. Sans cafo, bien ça me sert. Faut que je chope. Et toi, que la vida, que loca, loca, sta vida. Ambiance macabre, toi, je t'aime pas. Non, je rigole. Non, je rigole pas. Jo, reviens, je te jure que j'ai changé. Mais j'en ai rien à foutre que t'aies changé. Ma famille te supporte plus et moi, je veux plus te voir. T'en supplie, reviens. Bloque-moi, supprime-moi, mais parle-moi plus jamais, s'il te plaît. J'ai commencé One Piece. Qu'est-ce que tu viens de dire? Je t'ai jamais autant compris depuis que j'ai commencé ce manga. J'ai commencé One Piece pour toi. Pour nous. Épouse-moi. Oh, it looks like your phone is buzzing. I'm doing the dishes right now. Do you mind checking it for me? You want me to check your phone for you? Yeah, the passcode is 2128. Et si on pratiquait la polygamie? Oui, mais malheureusement, c'est interdit en France. Oui, mais alors pourquoi on appelle ça la polygamie française? On appelle ça la Polynésie française, c'est une collectivité d'outre-mer et ça n'a rien à voir. Et si on appelait cette collectivité? Elle ne répondra pas. Et si on les mettait l'une derrière l'autre, comme ça, et quand on est devant, on croit qu'il n'y a qu'une personne, il y en a deux. Non, c'est impossible. Si je vous plaît. Non, Marc. C'est combien, ça? 50. Non, Marc. 100? Toujours 50. Alors non, Marc. J'ai que ça. Bonjour, excusez-moi de vous déranger, jeune homme. Sauriez-vous où se situe la gare? Alors, la gare, vous marchez 5 minutes dans cette direction, comme ça. Mm-hmm. Ensuite, vous tournez à droite, vous allez voir l'entrée principale gérée. Merci beaucoup, bonne journée. Il n'y a pas de souci, vous aussi. Au revoir. Au revoir. Bonjour, jeune demoiselle, sauriez-vous où se situe la gare, s'il vous plaît? Oh là là, ça va, c'est pas non plus comme si je t'avais demandé l'euthanasie. Non, mais enfin, Lola, mais même si je voulais, et c'est pas le cas, hein, je veux pas. Mais je pourrais pas. Mais pourquoi? Mais parce que je te respecte trop, voilà, c'est tout. Vous faites chier, mec, avec votre respect, franchement. Putain, les meufs, alors, quand on vous respecte pas, on est des gros bâtards. Puis quand on vous respecte, ça vous fait chier, c'est ça? Mais c'est pas ça, Julien, mais c'est juste... Enfin, ça fait 8 ans qu'on se connaît. Mais justement, Lola, justement. Et est-ce que moi, je vais voir les gens en leur disant « Est-ce que tu veux coucher avec moi? Est-ce que tu veux coucher avec moi ?» Attends, qu'est-ce que tu dirais, hein? Je te dirais oui. Eh ben, moi, je dis non, voilà, non. Tu as bien compris. Mais fais-le avec ton mec, tiens, puisque t'es un mec. Avec mon mec? Bah oui, ça paraît plus logique, effectivement. Mais non, sinon je t'aurais pas demandé. Et puis, lui, je lui ai dit que j'avais déjà couché. J'ai pas envie qu'il sache que j'ai menti. Wow. Vous êtes vraiment tarés, les meufs, hein? Hello, I'm calling from room 252 and I'd like to order a sandwich. Hello, I'm calling from... Okay, I can do this. I can do this. Hello? I'm a sandwich. Alors, dites-moi. Alors, mon problème, c'est le nom que je porte. C'est quoi? Alors, mon prénom, c'est ça. Quoi, ça?
Alors ça arrive tout le temps, c'est chiant. Mon prénom, c'est ça. Je crois, vous dites ça, mais vous montrez rien avec vos doigts, je peux pas comprendre. C'est parce que je peux pas indiquer un truc, parce que je parle de mon prénom. Mon prénom, c'est ça. Mon prénom égale ça. Mon prénom, c'est ça. Foutez de ma gueule, là, c'est ça. C'est ça. Super, la mentalité. Non, enfin, non, c'est pas ça. Enfin, bon, laissez tomber, on n'y arrivera pas. Non, je déconne. Je vais marcher. Bon, vous voulez quoi comme prénom? Lionel, j'aime bien. Wesh, mais c'est qui a mis la gueule à mon section? On avait qu'un inconnu là. Eh, j'ai juré, c'est l'autre trou de balle. Tout le temps il met en comblé là. Frère, comme toi ça se trouve, il est chaud, wesh. Allô, allô. Wesh, il a même pas de micro. Salut les garçons. Wesh, une fille. C'est une fille. Ah, mais alors, c'est un garçon ou un escargot, Achille? Un petit enfant, un garçon. S'il bave, c'est que c'est un escargot. Mais il bave pas sur son ventre, il a une bouche. Bah, et les escargots aussi? Mais non, puisqu'il est plus grand que les escargots, et déjà, c'est pas un escargot. Oh. C'est un escargot géant, alors? Un escargot qui marche avec des pieds? Oui. Ça n'existe pas, ça. Et qui bave? Ou alors, Achille, c'est un escargot ou un garçon? Un garçon. Bon, alors, comme ça sonne, bon, je vais dire un escargot. Mais je suis quand même amoureuse d'un escargot. Et ça fait quoi d'être amoureuse d'un escargot? Même si Baf est amoureux de lui. Tu peux pas inviter un garçon à dormir. Ah ouais? Pourquoi? Tu le fais, toi? Mais je suis majeure, moi. Et moi, je suis enceinte. T'es pas enceinte. Non, tu l'es pas. Bah, le jeu, comment il s'appelle? La pierre, feuille, ciseaux. Ah voilà, t'entends un puits là-dedans? Moi, j'entends pas de puits, moi. C'est quoi? C'est comme si tu faisais un foot et que genre tu mettais un putain de puits devant les cages. Tu comprends? Bof. Prends les trois mousquetaires. C'est comme si tu rajoutais un héros qui a rien à voir avec le titre. D'Artagnan. Même putain, c'est mathématique. Les ciseaux, ils coupent la feuille, elle recouvre la pierre, elle éclate les ciseaux. Qu'est-ce qui se passe si tu mets un putain de puits? Les ciseaux, ils tombent dedans, la pierre, elle tombe dedans. Donc statistiquement, t'as beaucoup plus de chances de gagner avec le puits. Qu'est-ce qui va se passer? On va tous les deux faire le puits, ça va devenir le jeu du puits. Puits, 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 puits. Oh, quelle surprise, t'as fait un puits aussi, fils de... Je n'ai jamais pu refuser quoi que ce soit d'une brune aux yeux marrons. Et si j'étais blonde aux yeux bleus? Cela ne changerait rien, vous êtes mon type de femme, Larmina. Tiens donc. Et si j'étais naine et myope? Eh bien, je ne vous laisserai pas conduire. Bonjour, je viens pour le casting. Salut, assis-toi. C'est moi qui vais te donner la réplique, t'es pas obligée de me dire quand t'es prête parce qu'on y va maintenant, action. Ah ok, pourquoi t'es venue? J'espère que tu rigoles, c'est toi qui m'as dit de venir. Attends, on se la refait. Pourquoi j'étais pas bien? Non, c'est moi, j'étais pas dans le truc. Ta, tu. Ah, je reprends. Tu rigoles, j'espère que c'est toi qui m'as dit de venir. Oui, mais je savais pas que tu... Non, pas de mais! Ça fait des années que tu me balades, des années... Pardon, mais je crois que c'est à moi de parler, là. Ah bon? Ah ouais. Ouais, mais bon, si tu vas pas ma poulette, moi j'y vais, hein. Faut y aller, faut se dépenser, faut jouer, hein. Bon, on continue. Ok. Tu me fais pitié, Cynthia. C'est toi qui oses me dire ça. Tiens! Allez, continue! Ça fait mal. Ça va, t'es pas en sucre, merde. On cherche, c'est un terrain de jeu, c'est une proposition. Pas s'étonner après qu'on fasse du casting sauvage. Si tu pleures pour une gifle, là, tu vas te faire bouffer toute crue, hein. C'est des lions dehors. Hein. Bon, on te rappellera, hein. Dommage. What episode are you on now? I'm on episode 2. Oh, that's not so bad. In season 5. But you just started yesterday. Yes. Today I will be talking about climate change and how it... Wait, hold on. You have to make eye contact with the audience to engage them. Oh, okay. Today I will be talking about... Anna, hurry up! What? I'm ready. So everyone in my family is like, no, don't get a tattoo. They're painful, expensive, permanent, and you might get addicted and want another one. Right. But then they also tell me that I should have kids. You have a good point. Thank you. On m'a dit plein de fois, ouais, il faut que tu sortes, que tu ailles boire des verres, que tu fasses des rencontres, sinon c'est normal que tu es toujours toute seule, tout ça, mais en fait, j'ai un petit problème avec la race humaine. Hey, what? Should I post this? Sure. I need a yes or a no. I mean, do you like it? I don't know. Do you not like it? I don't think I really like it. Then don't post it. That doesn't help me. But what do you want me to say? I don't know! Okay, class, does anyone know the answer to question 2? Anyone? Okay, since no one wants to answer, I'm going to just pick on someone. Okay. Antonio?
Antonio. Antonio! Yes? Where were you? I was here the whole time. My Wi-Fi was lagging. Okay, then. What's the answer to number two? 36. What? Antonio, this is English. Oh. Okay, so you're this? Yeah. But you want this? Yeah. Okay, so in order to get that, you'd have to do this. Loulou, tu ferais quoi si je me faisais kidnapper et qu'on me demandait 5 millions d'euros? C'est beaucoup 5 millions d'euros, hein? Je paierais la rançon, tiens. C'est vrai? Bien sûr, qu'est-ce que tu crois? Ouais, tu parles, moi je crois que t'es un menteur, t'appellerais les flics et tu te débrouillerais pour pas payer la rançon. C'est pas vrai? Si tu connais la réponse, pourquoi tu poses la question? Did you need it? No. Did you buy it? T'es beau. Merci. Non, c'est vrai, t'es beau, quoi. Tout est réussi chez toi. T'as ce truc que les autres n'ont pas, quoi. Arrête. Tes yeux, c'est du miel, quoi. Tes joues, c'est des abricots, quoi. C'est vraiment... C'est vrai. Ton visage, c'est une salade de fou. C'est la première fois qu'on me dit ça, merci. Merci, docteur. C'est à tour effet. Ah non, c'est ton visage, j'avais pas vu. On ferait une statue de toi, on la mettrait au Louvre. La Joconde, elle dirait, oh, et moi, alors? Vous mentez, là. Non, je mens pas. Non, il ment pas. Non, je mens pas. Vous mentez. Je sais quand je mens pas. Si vous mentez, là. Je mens pas. Merci, vous êtes le meilleur, docteur. Vous êtes le meilleur. Vous m'avez jamais dit ça, merci, docteur. Ça fera 200 euros. Pourquoi? Parce que t'es beau. Plus t'es beau, plus c'est cher. Non, ça n'est pas ce que j'ai demandé. Je ne pouvais pas être plus claire. Vous voilà, Emily. Combien de fois je dois vous appeler avant que vous répondiez? À vrai dire, c'est Andy. Je m'appelle Andy. Andrea, mais tout le monde m'appelle Andy. Je voudrais une quinzaine de jupes, Calvin Klein. D'accord. Quel genre de jupe voulez-vous? Allez ennuyer quelqu'un d'autre avec vos questions. Vérifiez que le studio de Pier 59 est réservé pour demain matin et rappelez à Jocelyne que je veux voir une ou deux sacoches que Marc dessine avant le bon à tirer. Et de Marchelier a confirmé? De Marchelier a-t-il appelé le au téléphone? Oh. Et Emily? Oui. C'est tout. Your test results came and you'll have to take these pills for the rest of your life. But doctor, it's written here that I should take for only 2 weeks. Bonjour. Bonjour, je peux vous aider? Non, c'est rien, monsieur, je regarde seulement en fait. Ok. Vous n'avez pas besoin de mon aide, quoi? Non, c'est très gentil, monsieur. Je me débrouille. Vous connaissez toutes les baskets. Pas besoin de personne, quoi. Le mec, il connaît tout, le gars! Il connaît toutes les baskets, besoin de personne! Mommy, my teacher wants to see you on Monday. Why? Because she asked me why am I talking during the lesson. Then what did you say? I told her, why is he teaching during my conversation? Il veut pas me dire je t'aime, il vient jamais vers moi, il change toujours de pièce. Dès que j'essaye de lui parler, j'ai besoin d'être rassurée parce que je suis éloignée de lui, il me rassure pas, je lui demande qu'il me dise qu'il m'aime, il veut pas me le dire. Et t'es pour ou contre l'avortement? Je sais pas, je m'en bats les couilles, c'est pas à moi de décider, non? Vas-y, développe. Je veux dire, je suis un mec, si jamais un jour il y a un truc qui fait que mes couilles elles deviennent grosses comme des pastèques et qu'il y a un être humain qui va sortir de mon urètre, ça me ferait chier qu'il y ait quelqu'un à qui ça arrivera jamais qui vienne me dire comment gérer le bordel, quoi. Est-ce que tu veux m'épouser? Mais t'es sérieuse, là? Comment ça, je suis sérieuse? J'ai pas l'air sérieuse, là? J'ai pas l'air sérieuse? Ah si, 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 très sérieuse. Ah, enflé. Non, mais... Attends, comment ça, mais... Attends, je vais reformuler la question parce qu'apparemment c'est pas clair, c'est pas si simple pour toi, donc je vais reformuler. Tu m'épouses? Ou tu préfères que je te monte en l'air? Non, mais... Arrête avec tes mais! Non, mais c'est... T'as redit mais là? Non, j'ai pas. T'as redit mais là? Ouais, la redit mais. Non! T'as redit mais. Ok, c'est juste que. Ok, je suis peut-être un peu vieux jeu, mais je pensais que c'est les hommes qui demandaient en mariage, ça m'a un peu surpris. Eh ben arrête de penser, dis-moi oui, si tu veux pas que je te nique ta race devant tout le monde! Pourquoi tu cherches le conflit comme ça en permanence? Non, mais je cherche pas le conflit! Il t'a dit non, là? Non! Il a dit, ceci, il a dit non et mais. Dans la même phrase. Après, c'est pas la même histoire. Essuie tes lunettes. Et tu les essuies parce qu'elles sont sales. Note. C'est petit, ça! Mes lunettes sont sales? On regarde pas ces lunettes.
On regarde ses lunettes. On est une victime quand on regarde ses lunettes. On n'a pas besoin de regarder ce qu'on fait parce qu'on a confiance en ce qu'on fait. On gère l'espace. Et on s'en va. Ok ? Je veux vraiment que tu gardes ça dans un coin de ta tête. Toutes tes actions doivent être charismatiques. Ah putain, mais j'y crois pas quand ça fait 1000 ans. Ouais. Juste tu bois quoi ? Coca. Ah, fais pas chier, on va prendre une bouteille s'il vous plaît. Ah bah je veux bien du rouge alors. De champagne. Ah ouais. Tu fais quoi toi alors en ce moment ? T'as des projets ? Bah non, parce que justement le projet dont je te parlais s'est réalisé, j'ai monté ma boîte. Ah cool. Donc je suis super contente. Mais t'as pas d'autres projets ? Bah non, parce que du coup ça me prend beaucoup de temps. Et toi alors, t'as toujours ton projet de livre ? Ouais. Ah cool, ça avance bien. J'ai pas commencé encore, tu vas bien ? Mais tu vas le commencer quand ? Bah quand ce sera plus un projet. Ah bah oui. Non mais en plus c'est génial parce que j'ai une bande de potes, on a tous des projets donc on s'encourage vachement. Monsieur, je vais vous prendre une bouteille s'il vous plaît. Et tu veux pas qu'on finisse celle-là avant ? Non, pas forcément. Ah OK, et tu bosses en ce moment ? Ah non. Et t'as combien de projets ? En moyenne ? Ouais, 1000. Ah ouais. Et il y en a beaucoup que tu enfin il y en a que tu réalises. Attends, Mimi ! On sort ce soir hein ? Excuse-moi. Pas de problème. Tu veux sortir avec nous ? Non, mais en général le lundi je dors. Ah ouais ? Putain, stylé. Tom sait. Par contre, est-ce que t'as déjà été amoureux ? Amoureux ? Hein ? C'est quoi ça, c'est où ? Je te demande pas où c'est, je te demande si t'as déjà été amoureux. Mais tu réfléchis pourquoi là ? Tu peux pas répondre là, Tout simplement ? Pour savoir si j'ai déjà été amoureux. Eh ben oui, c'est la question que je te pose. Eh ben, je sais pas, c'est où ça ? C'est dans le nord, dans le sud ? Non, là, tu fais exprès, là. De quoi ? Je te demande si t'as été si t'as déjà été amoureux. C'est pas compliqué, je connais pas, moi, amoureux. C'est quoi, ça ? C'est en France ? Non, là, tu fais exprès. Mais non ! Si, tu fais exprès, là. C'est quoi, amoureux ? C'est où, amoureux ?